On continue avec Los Menos. Coucou, vous allez bien ? Oui, ça va. Alors voilà, le 22 avril, ça arrive à grands pas. Donc déjà, je vous laisse rapidement vous présenter le concept du groupe. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Nous, c'est Los Menos. On est un groupe âgé entre 15 ans et 19 ans aussi. Et nous, ce qu'on peut apporter, c'est vraiment un univers avec de tout, vraiment de tout. On a tous des origines différentes. Ça veut dire qu'on apporte vraiment de tout. Toutes nos cultures, tout ce qu'on peut, on l'apporte, tous ensemble. D'accord, donc la diversité du groupe est une réelle force. Exactement. Pour vous, c'est bien ça. Exactement. Donc cette année, c'est le thème, c'est miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, dis-moi qui est la meilleure, dis-moi qui nous sommes. Qu'est-ce que votre miroir, il vous dit quand vous vous regardez, quand vous repensez un petit peu à votre parcours ? Ce qu'il nous dit, franchement, c'est qu'on est vraiment une famille et que quand on se regarde, on se dit vraiment que là, on est au top. On va frapper. On va frapper. Donc, le miroir menace, c'est ça ? Le miroir... Ah oui ! Ouais. Quelles sont les choses à améliorer ? Le show, c'est dans, voilà, c'est dans 2 mois à peine. Vous allez quand même participer au Speed Battle. C'est quand même une compétition hein, chorégraphique. Donc, il va falloir être au top du top. C'est quoi les choses que vous pourriez améliorer en toute honnêteté quand vous vous regardez dans le miroir ? Vous dites qu'il faut bosser quoi, là ? En toute honnêteté, la précision et le développement culturel, ouais. D'accord, la précision et le développement culturel. Ouais. Et voilà, avant de se quitter, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Qu'est-ce que votre miroir, il vous dirait si vous deviez, par exemple, vous préparer mentalement, vous motiver pour ce 22 avril, ce serait quoi ? C'est l'union qui fait la force. L'union fait la force, ça veut dire qu'entre nous, on se cache rien et on y va, on fonce. C'est Sabrina, je suis toujours en direct du Before du Melting Crew. Il se déroulera le 22 avril prochain, ce sera la 7e édition. Et cette année, il y aura plein de surprises, plein de nouveautés, notamment le thème miroir, donc on va en reparler dans quelques instants. Mais il y aura également une nouvelle compétition, en fait, une sous-compétition, ce sera les Speed Battle. En gros, ce sera une compétition chorégraphique. Comme vous pouvez le voir, je suis très entourée, il y a plusieurs groupes autour de moi. Donc il y a la Mascoro. Hello, ça va, vous allez bien ? Donc, vous allez nous expliquer le concept de la cagoule, ça voilà. Il va falloir que vous nous en disiez un peu plus. Ben, nous, c'est la Mascoro. Ouais. On est un groupe afro qu'on faisait des cagoules âgés de 16 ans à 19 ans. D'accord. Et notre style principal, c'est l'afro, mais on peut y rajouter la diversité. D'accord, donc vous avez un style quand même très diversifié. Et la Mascoro, donc voilà, déjà vous êtes cagoulé, donc ça, il faut m'expliquer. Le concept, c'est quoi ? Ben, en fait. C'est pour garder notre identité. D'accord. Et comme des anonymes, c'est ça ? Exactement. Et c'est pour pouvoir aussi libérer notre personnalité et que au lieu que le public se concentre sur notre identité individuelle, ben, mm-hmm. il se concentre sur notre prestation, sur le show qu'on leur apporte. D'accord, c'est assez original comme démarche. Du coup, miroir, miroir, c'est le thème du jour. Donc, même si vous êtes anonyme, il va quand même falloir nous parler à cœur ouvert et nous dire, sincèrement, artistiquement parlant, si vous êtes face à votre glace, qu'est-ce que vous auriez éventuellement rectifié ? Qu'est-ce que vous voulez améliorer ? Le 22 avril, ça arrive, c'est dans 2 mois. Donc voilà, à 2 mois du show, qu'est-ce qu'éventuellement vous pourriez rectifier pour être encore plus performant ? Franchement, ce serait la performance en général, la synchronisation, la pression, l'énergie, puis c'est tout. D'accord, donc il y a encore du travail, mais merci en tout cas de nous avoir dit les choses à cœur ouvert. I'm gonna start it from the bottom. I'll show you how.
how to flip a dollar. I got food in my dining room. I'm better. It's another day, another chance. I wake up, I wanna dance. So as long as I got my friends, I'm better. On va passer aux Phéno Ladies, les filles, ça va, vous allez bien? Ça va. Le Melting Crew, ça approche, donc en deux mots, dites-nous déjà qui vous êtes et ce que vous proposez comme style. Bah alors nous, c'est les Phéno Ladies, on est un groupe composé de trois danseuses. Notre style, c'est l'afrobeat, c'est composé de coupé décalé, nomolo et qui est afro, tous les styles afro. D'accord, ok. Donc les filles, vous êtes des filles. Je suppose que tous les matins, vous vous regardez dans la glace. Hein, on se maquille un petit peu, on se fait joli. En toute sincérité, artistiquement parlant, à deux mois de l'événement, qu'est-ce que vous auriez envie d'améliorer? Qu'est-ce que vous pourriez rectifier? Voilà, là, l'idée, c'est que vous parliez à votre glace en toute honnêteté. Bah, niveau chorégraphique, bah, on voudrait améliorer notre synchronisation en groupe et notre force pour frapper. D'accord. Précis. Ok, super. Donc le Melting Crew, ça va être un événement quand même assez important pour vous dans votre carrière. Qu'est-ce que ça représente? Bah, on le prend comme un tout show à prendre. Donc, on a l'habitude de faire des shows, on le prend bien. Enfin, on a été contente de participer au Melting Crew cette année. Donc, on est très heureuse. On a été contente de participer. D'accord. Dernière chose, voilà. Là, on a dit c'est miroir. Vous vous regardez dans la glace, d'accord? Qu'est-ce que vous vous dites pour préparer le show? Quels sont, je sais pas, les mots de motivation que vous allez vous dire pour être à la hauteur de cette scène très attendue? C'est améliorer notre style. D'accord. Et le développer surtout. D'accord, les filles. Autre chose? Non, pas juste. Non, elle a tout dit. De toute façon, on va vous voir danser. Hein. Je pense que votre expression corporelle sera peut-être plus importante que les mots. Banger.